Et je t'ai vu marquer. Si, l'essai fabuleux où tu as 25 mètres de cours, ça. Tu te rappelles? C'est contre Jonas. Ça serait Barack Obama. Il est toujours resté simple, même avec la tonne de trucs qu'il avait à faire. Franco Zani, la grande classe. C'est un restaurant, c'est le Ichiban, un restaurant de sushi. Moi, c'est l'Ermitage, parce que c'est là qu'il y a la plus belle vue. J'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de ballons sur le terrain, donc je fais pas beaucoup de boulettes. Oh, moi, j'en ai beaucoup. J'étais député pendant 10 ans, et député, on parle beaucoup la nuit. Et la nuit, quand on est KO de sommeil, on fait des lapsus. La finale de l'année dernière, quand on remonte en top 14. C'était quand même la victoire peut-être inattendue de 76 contre l'ASB. Être moins impulsif. Peut-être un peu moins têtu. C'est en tout cas ce que me dit ma femme. En mêlée, ça serait Sémissi Téléphonie, l'année dernière à Carcassonne. Alain Véret, quand il était au sommet de son parcours, il a fait une bonne campagne en 2001. Et nous, pas une bonne. L'année dernière aussi en Pro D2 contre Oyonnax, qui nous coûte peut-être la première place du championnat. La défaite au Municipal en 2001. Shakira, la chanteuse. Ce serait intéressant à rencontrer. Peut-être quand même le pape. Et avoir du temps pour parler avec lui. Et puis, Isabella Gianni. On aimerait avoir un petit peu plus de supporters, voilà. C'est assez important et ils sont déjà pas beaucoup, mais ils font du bruit. Alors si on en avait un peu plus, on aurait encore plus de bruit. Je rêve d'un SUA qui s'enracine en top 14, donc ouais. La soirée après la finale. Très belle soirée. La fête qu'on a fait pour le bac. Le bac, c'est bien amusé. Quand est-ce que tu viens nous voir à Agen? Simplement. Qu'est-ce qu'on fait sur l'arbitrage équitable?